Allez, prends-les. Non. Très bien. Dans ce cas, je t'amène chez le médecin tout de suite parce que je crois que t'es en crise là. Tu vas t'habiller. Lise, tu prends ces pilules maintenant, sinon on va chez le médecin, c'est clair? Non. Désolée, ma chérie. Je m'en veux. Allez, prends les pilules, ma chérie. Vous êtes dans quel secteur? Une travailleuse du sexe. Prostituée, quoi. Ok, c'est très bien. Le montant de vos charges? Je dois avoir 1000 euros de charges par mois. Bon, de toute façon, il me faudra tous vos papiers, mais là, en l'état actuel des choses, ça passera pas. Après, on pourra réessayer avec des chiffres plus détaillés, mais bon, je peux rien vous promettre, quoi. Il me faut ce prêt. Je comprends bien, mais après... Non, je crois que vous comprenez pas. Vous avez une fille, vous? Ma fille, elle veut aller étudier aux États-Unis, et moi, je veux pouvoir lui offrir ça. Je veux pouvoir lui donner un avenir, vous comprenez ce que ça veut dire? Je suis désolé, mais ça marche pas comme ça, là. Si ça me bloque, le système donnera pas suite, donc... Mais il est complètement con, votre système. C'est pas le système que je suis venue voir, c'est le putain de banquier que je suis venue voir. Ça fait 20 ans que je travaille, je m'en suis toujours sortie, même pendant les périodes difficiles, même pendant le Covid, j'ai travaillé, alors qu'il y en a plein qui ont mis la clé sous la porte. Moi, j'étais là, et je travaillais dur, ok? Donc vous allez pas me dire que je peux pas offrir ça à ma fille juste à cause de votre putain de machine à la con, là, qui dit non! J'entends ce que vous me dites, mais je suis désolé, je peux rien faire. C'est ridicule. Moi, je sais que je pourrais rembourser. Je vous assure, je peux rembourser. J'arrive plus à la regarder pareil. Je sais que c'est ma faute, quoi. Vous lui en voulez? Non. En fait, on voulait le faire toutes les deux, mais j'aurais pas dû accepter. C'était pas une bonne idée d'aller voir ailleurs. Et elle et moi, ça aurait dû suffire. Mais en fait, je lui en veux pas de m'en vouloir. Parce qu'en fait, je savais que c'était risqué, mais... Je sais pas, je pensais que ça allait nous aider. T'es gêné? Non, ça va. Un peu. Tu aimes pas ça, te faire claquer les fesses? En vrai? Ça me dérangerait pas trop. Désolée. Non, je sais pas, ça dépend comment c'est amené, tu vois, si tu démarres doucement, genre ça... Tourne-toi, je te montre. Non, pas ici. Non, arrête, t'es sérieux? Mais ouais. Non, je peux pas, non. Il faut que tu me fasses boire la moitié d'une bouteille avant de faire ça. Non. Toi, tu respires tout le temps, moi j'ai besoin de respirer, là ça fait un mois que je suis avec la petite, j'en peux plus du matin au soir, tu sais ce que c'est ça? Est-ce que tu l'as déjà fait une fois depuis qu'on est ensemble? Une fois de passer des journées du matin au soir avec elle? Jamais, espèce d'enculé! Mais j'en ai rien à foutre, c'est quoi? Si t'es pas là dans 10 minutes, je la prends et je la pose en bas de l'immeuble, ouais! Ah parce que tu penses que je suis pas capable de le faire, mais si, je suis capable de le faire, t'es putain de connard!